L'agglo, il y a une augmentation des impôts, ça fait longtemps que ça n'avait pas eu lieu. Pour autant, vous le faites. Pourquoi vous le faites? Vous ne pouviez pas faire autrement. Vous avez senti que c'était le moment. Et c'est pas que nous avons senti que c'était le moment. Simplement, il se trouve que, compte tenu des investissements que nous avons faits sur l'agglomération, et en particulier tous les équipements, aussi bien Biopôle pour le traitement des ordures ménagères, pour le traitement des eaux usées, que pour le tramway ou les autres choses du même genre, à savoir le logement, l'aide au logement, eh bien, nous avons fait en sorte que il nous faut trouver 10 millions par an. 25 millions sur plusieurs années, mais 10 millions par an cette année. Sur ces 10 millions, nous avons décidé d'augmenter la taxe d'habitation qui nous venait du département, qui était transférée par le département dans le cadre de la suppression de la taxe professionnelle. Nous l'augmentons d'environ un peu plus de 4,5%. Ça va faire cher pour les Angevins, ça ? Ça ne va pas faire cher pour les Angevins, ça va donner un prix de l'ordre de 6 euros pour un ménage de 2 personnes, pour un loyer moyen. Mais ce qui est important, c'est que nous avons gardé des abattements qui font que 50% des habitants de notre agglomération ne seront pas augmentés ou pratiquement pas augmentés. C'était dur à prendre comme décision, ça, après des années sans augmentation ? Ben, c'est une décision qui n'est jamais facile. L'impôt n'est pas une décision que l'on prend de manière folâtre et en disant ce n'est pas grave. C'est simplement c'est que nous avons décidé que cette année, c'était important de nous mettre en position de pouvoir assumer pour l'avenir les investissements lourds qui ont été ceux de l'agglomération. Et je rappelle que la compétence de bâtiment qui fait que nous construisons entre 1500 et 3000 habitations supplémentaires par an à l'agglomération en les aidant, c'est une chose indispensable. Il y a toujours une